Non, moi, je crois que bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media là, depuis mon ballon police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partageons intéressés. Pas oublier abonner avec Bombard Media là, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media là. Et eh bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Dossier sécurité, n'a démarré journal là pour le premier ministre haïtien Joseph Jout, nos déclarations faites pour bataille contre insécurité, hein, avec kidnapping qui a fallu terrain dans le pays, a décidé pour faire tout le monde qui gagne machine au vite teinté, gagne jusqu'à samedi 6 mars 2021, qui donc demain peut à retirer dans vite machine. Yo. Premier ministre haïtien Joseph Jout a précisé, c'est la machine officielle à cause diplomatique qui a le droit de circuler avec vidéo teinté sur tout le territoire pays d'Haïti. Joseph Jout, c'est le premier ministre haïtien. C'est que toute machine teintée, machine vite, ça veut dire vite filmée, il est interdit ou rouler sur tout le territoire public là à partir de samedi 6 mars. Quel que soit le monde, il y a un joint qui a roulé avec une machine vite teintée, vite fumée, la police a pris la mesure que la loi prévoit pour ça contre. Seule machine qui a exempté de mesures saillantes, c'est machine qui a une plaque officielle. Nouvelle plaque officielle là qui a couleur jaune, ces machines corps diplomatique, yo, ces machines corps consulaire. Yo. Nous connaissons, nous avons posé une question, les machines policières. Même machine police, pas de droit, machine la police, machine PNH, pas de droit circuler avec des vitres teintées. Le la police besoin circuler avec vite tête, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concerne Premier ministre Lanto, qui a une machine privée, mais Premier ministre là, pour le sortir de la machine privée, vite la police est clair. Pour tout le monde figure. Le besoin, machine vite teinté, machine privée, bien entendu, la mise de sécurité dans le pays. On a écouté le Premier ministre paysan, Joseph Jout, qui a réagi sur la question sécurité avec kidnapping dans le pays. La décision qu'on prend, c'est que toute machine doit être vidéo à partir de demain samedi 6 mars, hein, à l'exception machine officielle avec corps diplomatique. Là. La même question sécurité, hein, la police nationale là, qui a annoncé divers mesures tout, a adopté pour couper kidnapping. Là. C'est en ligne téléphone qui c'est 122, c'est numéro ça. PNH là, annoncé qu'il est disponible à partir de jeudi vendredi 5 mars 2021 pour citoyens y aurait pour signaler la police qu'a enlèvement qui a gagné Bolakayo. Le GPNH là fait connaître population capable utiliser 38 38 11 11 là, ou 38 39 11 11 pour capable signaler ça également. Léon Charles fait qu'on est pour augmenter fouille dans la rue, surtout machine vite tête, lui mettre machine avec plaque service de l'État ou bien officiel, yo tout a passé en bas fouille comme ça droit. Directeur général PNH là, c'est tout profité pour yon pinga. Bah, quelques citoyens en d'un pays qui a mis au jour facilitateur pour négocier avec bandi, ça y a pas gain accord par une victime yo. Léon Charles, directeur général police nationale d'Haïti a parlé. Oui, ça a fait, c'est pour nous rassurer la population, au commandement de la police, avec tout policier, des sénateurs, 24 sur 24, pour faire face à un problème de sécurité. Ça. Nous sommes en mesure de nous capables de permettre que la population travaille avec nous, pour nous capables d'informations pour nous gagner, pour nous capables de plus de résultats, nous mettons un numéro très simple pour que la population puisse communiquer avec nous. Numéro ça, c'est 122. 1, 2, 2. Cap opérationnel à partir de vendredi. Notre population a relé la police là. La première information pour agir rapidement ou bien pour nous traiter pour agir après. Parce que le problème qui est dans le pays, c'est mon problème police. Nous avons un problème de société. Côté tout le monde doit participer à la donnée pour être capable de rétablir la confiance. Pour capable, la population capable de rapprocher de la police.
Je me dis là, son responsabilité partagée, la police a prié pour jouer Walpal, Benabay, numéro de téléphone ça, 7 122 24 24, qui est disponible pour prendre information dans la population. La disponible vendredi, mais entre temps, la population qui a utilisé le téléphone ça, 38 38 11 11, 38 39. 11-11, 38-38, 11-11, 38-39, 11-11. Donc c'est lié que la BC établi avec la population pour ensemble, dans le principe, responsabilité de partager ça, pour nous capables de stopper le phénomène que la famille a souffert, la société a pas capable encore. Et la police a dit, avec le commandement, nous à terre. Nous on a tout, dans tout le monde, pour imposer tes tirs en tant que négociateur. Sans pas avoir autorisation par un monde qui a enlevé. Ça, on va travailler avec la police. Nous, ça, il faut qu'on ait comportement ça, pas bon. Et la police va relayer pour nous qui motivation. Parce que tout ça est entré dans la stratégie que l'on a utilisé pour freiner, monter dans l'enlèvement. Je nous, la police a mobilisé, l'a fait 24 sur 24, nous allons faire des fouilles, intensifier des fouilles à travers la zone métropolitaine. Question vitesse, question plaque service de l'État, question plaque officielle qui n'est pas actualisée, la police n'a pas gagné parce que la police a fouillé tout le monde. Ces mesures préventives que nous avons fait, on a peur et que nous commençons à prendre, renforcer pour nous capables de couper le phénomène. Donc, nous, nous dans la rue, nous avons sollicité appui à la population pour nous capables plus de plus résultats pour ensemble à la population, nous jouons renforcer et pour que la paix finalement et de façon permanente retourne pour que la tranquillité d'esprit, pour que Timon à l'école, pour que nous empêchions que le pays respire et puis que tout le monde travaille à l'occupation. Au tap côté directeur général de la police nationale d'Haïti, hein, Léon Charles, qui t'a réagi sur la question de sécurité, hein, ligne téléphonique que met disponible pour citoyens, yo, et puis annoncer un pile fouille qui va le faire sur toute machine que officiel que yo service de l'État. Sous même dossier ça, un pile réaction commencé tomber, gain ancien colonel Himmler Rebu qui s'est dit agréant, quoi que de l'équipe baille pour nous capable d'éteindre vite machine yo, trop petit, li gain doute que citoyen yo a guetan mettez yo en règle avant demain samedi avec machine yo qui teinté Himmler Rebu. Moi crois que gain une mauvaise estimation du temps. De l'équipe que yo baille pour moun yo d'éteindre vite machine yo, moi gain un pile doute que citoyen a prétend pour ajuster à mesure ça dans des délais que baïla. Ça moi-même m'a suggéré c'est que ça va être un délai d'une semaine mais qui t'a permettre au gouvernement faire la preuve de la prise en charge de l'espace public. Côté ta capable pendant semaine ça une très grande opération qui mettait un dispositif anticipatif qui bouclait zone d'habitude côté des problèmes non pas que tout le monde connaît côté mounio et qui tape côté là avec eux mais une prise en charge massive de l'espace public par la police. C'est une opération qui est assez éreintante mais qui est indispensable et ceci de jour comme de nuit qui est indispensable ça capable un petit peu sécuriser l'esprit citoyen. Moi pas quoi me suis à penser à catégorie et machine ça yo que yo gagne ça qui gagne privacy là ça veut dire que gagne des machines pas teintées ce sont des machines de fabrication avec vite teinté pour yo prévoir dans protocole là qui attitude pour monde qui gagne machine ça gagne parce que pas cap casser vite pour remplacer par d'autres vite pour ta gagne un bagage spécifique pour machine ça quant à véhicule qui gagne exemption moi crois plus gros faiblesse mesure c'est pas exemption pour véhicule officiel yo. Aux véhicules corps diplomatique et surtout véhicules corps consulaire. Véhicules officiels. Généralement, au ministre, au directeur général, dès qu'il rentre dans le bureau, il n'y a pas de contrôle sur le véhicule. Qui est assez souvent dans la main et a circulé exclusivement avec le chauffeur qui a fait course à gauche à droite. C'est le premier véhicule pour empêcher qu'il vite tête. Parce que les gens qui sont officiels, il n'y a pas aucune raison pour la cacher aux populations. Seul véhicule, bref, c'est que tu as fait pour exempter. C'est un véhicule président avec premier ministre, mais en convoi, en convoi. Et moi, premier ministre Dilbou, il y a une machine et personnel lit, du fait pour ne pas inviter, parce qu'il ne pas pour la cacher pour la population. Cependant, le président de la République, le premier ministre,
en convoi, des droits et exemptions pour yon vitesse. Quant à la mise en place de la vérification de la mesure, moi je crois qu'on glissement très grave pour yon contrôler tout de suite. Seul le ministère de la Justice, le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique et la police nationale faites pour utiliser pour mise en application mesure ça. En ce qui concerne le monde corps diplomatique, seule machine, corps diplomatique, qui t'a dû circuler sur le territoire avec vitesse, c'est seulement les véhicules immatriculés en République dominicaine. Mais malgré tout, la police t'a fait pour qu'il y ait un devoir de vérification qui monde qui dans la machine. Parce que la République dominicaine n'a pas même mesure avec nous. Si on a des diplomates qui dans véhicule République dominicaine qui partagent même espace physique avec nous, ils sont capables de circuler avec vitesse, mais de la mesure où ils connaissent sont capables de faire des mesures de vérification. Quant à machine pour consulaire, c'est la première machine pour interdire de manière absolue cette affaire de vitesse. Je ne vais pas expliquer dans la radio pour qui ça. Mais c'est la première machine pour être interdit de circuler avec vitesse. Il va de soi pour la police. La police n'a pas gagné pour circuler le véhicule à vitesse. Et qu'on l'autre bagage qui est extrêmement important, il n'y a pas dit, qui est plus important à mon sens. Parce que je me suis gagné une semaine et demie déjà depuis que je travaille sur le dossier. Cette affaire de policiers qui a intervenu, beaucoup de citoyens, ils ont cagoulé, ils n'ont pas capable d'identifier les policiers, ce n'est pas normal. Les policiers n'ont pas là pour intervenir pour les citoyens pour faire mal. Donc, comme ils n'ont pas pour intervenir pour faire mal, ils n'ont pas pour cacher. Les policiers n'ont pas fait pour les cagoules. Vous avez écouté le leader créant, il me l'a rébut, qui a réagi sur la question vite teintée, que tout le monde doit. Détenter vite machine, d'après décision ça qui sorti dans 16 peines qui fait lundi dernier. Et déclaration ça a fait dans ma bouche premier ministre haïtien. Sur même dossier, c'est sénateur département de l'Ouest, sénateur Steven Benoît, fait qu'on ait mesure détenter vite machine, puis pénaliser tout le monde qui était payé pour être capable de teinter vite machine. Dans le budget exercice fiscal 2020-2021, l'État haïtien a décidé que chaque monde pour teinter vite machine, il faut payer 10 000 goudes. Ça associe nous en loi fiscale pays d'Haïti. Alors ce que je dis, l'État haïtien m'a dit pour tout le monde détenter vidéo sans le pas dire qui ça l'a pas fait avec 10 000 goudes. Sur un décret qui te prend le mois d'octobre par année passée, j'en doulis déjà, le sénateur a dit, pas de gain qu'une exception pour question machine qui doit être avec vidéo teintée ou pas. Alors que un pile monde connaît ces machines avec plaque officielle même qui a fait un kidnapping dans le pays d'Haïti. Parole Steven Benoît, ancien sénateur département de l'Ouest pays. C'est le même gouvernement ça qui en octobre qui dit sous mon bénéfice pour aller payer 10 coups de DGI avant de capter des machines à n'importe hauteur de noix si tu es ouvré. C'est-à-dire qu'il faut foncer net pour métal, c'est pour payer 10 000 coups de main. Pourquoi j'aime mon machine? C'était déjà pas intéressé parce que je pense que l'homme est élu pour mouiller. Le sous-service est public, il faut me plaire pour qu'il est payé. On a payé pour travailler, pour y avoir le figure. Premier bagage, monsieur Youtfe, il punit tout le monde qui se paye 10 000 goudes, ni même avec tout ce pareil, il y a eu des exceptions. Alors que madame Poudon, il pouvait à tout le peuple à faire dans le monde qui m'a kidnappé, dans le monde qui a fait contre le monde, etc. C'est machine officielle, en général, qui protège kidnappé, qui kidnappé qui a sécurisé là-dedans. Mon proche palais, c'est ministre, c'est directeur général, c'est délégué, c'est sénateur. Alors, pour ça, qui en grande partie, c'est eux qui derrière kidnapping, mais eux maintenant, ils continuent pour dire tête. Et puis, peuple là, maintenant, qui a marqué librement à l'occupation. Ils ont obligé de très vite pour kidnapper, pas ouais, que pour contre eux, donc sous sorte de protection liée. Donc, mon ça, ou sanctionné, donc kidnapper, a insécurité librement. Deuxième catégorie de monde protéger encore, c'est eux qui plaquent consulaire. Combien de consuls qui dans le pays? Deux, ambassade américaine, ambassade Canada. Toutes les questions, c'est quoi pour le système de consuls honoraires? Donc, pour la grande majorité, encore, bien sûr, pour la grande majorité, consuls honoraires, ce sont des hommes d'affaires des complémentaires. Donc, nous avons encore eux-mêmes, et ce n'est pas étranger, c'est Haïti, c'est Capitaine Haïti, c'est pour Romain et Romain, des pour les besoins, pour te dire tout, pour qu'on consuls honoraires. Donc, pour auprès de 30-40 consuls honoraires, qui a circulé dans la plaque qui marquait consuls honoraires, et ce n'est pas étranger, c'est haïtien, des hommes d'affaires, un pile là-dedans, des contrebandiers. Donc, c'est même Dieu pour y aider. On va faire contre la machine, on va contre qui on a pas, on va contre qui a activité. Donc, l'État prend des décisions, qui est derrière soi, pour protéger quelqu'un, chef, soi-disant, qui va régler rien, et 6 millions qui ont autour de l'eau, qui va être pour campagne, etc. Donc, moi, je pense que je dis à la fin, encore une fois,
Monsieur Jovenel Moïse annonce jour contre pas diriger un rien, ne pas réfléchir à ce plus de pays. Et qu'on a même une raison, c'est déjà un jour pour la route. Moi-même, par exemple, devant la population, pas occupé. Si vous avez monsieur Jou pas dire sur la presse de 10 000 coups, parce que vous avez hier ou bien avant hier, vous serez passé, vous avez mis le pays, tout là. Donc, son état, c'est l'écran qui a passé pour le pays. Bon, monsieur Jou, oui, ça l'a fait là, parce que vous avez un point de vue, même, il n'est pas concerné pour la décision. Ça, moi-même, il faut me garder à ce pays. Vous avez écouté, ancien sénateur, l'Ouest-Lan, Stevenson, Benoît, qui t'a réagi sur question insécurité, particulièrement, question vite déteintée, que Premier ministre a demandé, qui vous prend pour capable résoudre question kidnapping dans le pays d'Haïti. Nous parlons dans le nord, dans le cap particulièrement, pour le ministre Douamoun, l'organisation qui a défendu Douamoun, pas qu'à décrire la situation Douamoun dans le pays d'Haïti. Douamoun passé en bas pied dans tout niveau, d'après le secteur exécutif, organisation Jirimédia, dans le département du pays d'Haïti, Doudou Abdonel. Ministre Douamoun, dans la population à vivre, yon j'ai l'ouvri, yon j'ai fermé. C'est la difficulté pour yon vaquer avec occupation, pour pas victime en bas mes bandits. Doudou Abdonel. Pays d'Haïti a vivre dans dernier temps si la yo yon situation terrible, catastrophe et dramatique côté insécurité, criminalité à kidnapping, pas suspend la vie de danger population devant tableau somme ça côté la Pérez Makone ak désespoir directeur exécutif organisation Douamoun Jurimédia dans nos pays a montré li estomaqué et paniqué. Doudou Abdonel déploré le fait citoyen yo journée aujourd'hui a trouvé yo nan gros difficulté pour vaguer normalement à occupation yo à cause bandi à gang à exam envahi tout pays a et spécialement région métropolitaine Port-au-Prince. Abdonel Doudou. Je dis à Fadé, pratiquement militant de l'organisation de l'Amoun, qui est capable de décrire la situation de là. Nous, situation de violation massive de l'Amoun, à tous les points de vue, et toute catégorie de l'Amoun, qui peut considérer les droits économiques, sociaux et culturels, nous capables de dire que nous avons une situation économique malouque sans précédent, et cette sécurité alimentaire là, c'est autour de 100 millions de là, près de 100 millions de monde, qui est une sécurité alimentaire grave. On ne peut pas parler même de questions de chômage, non, parce que en pile, micro-entreprise qui a créé emploi à la suite de temps de crise à la fois crise sociopolitique qui vient marier avec une COVID-19 là depuis l'année dernière. Militant Douamoun te profité bail d'isol sous dossier kidnapping de Dominicains yo ak interprète haïtien li condamné intervention madame Magali habitant yo li qualifié de scandale façon pouvoir gérer dossier ya. Donné au niveau de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, il y a une unité spécialisée sous question d'enlèvement qui, depuis un enlèvement, pour aller à celui pour travailler sur lui. Comment expliquer que donné, il y a un instant concerné qui a travaillé sous question kidnapping de Dominicains avec Haïti et sa compagnie, même si souci instant concerné apparemment, c'est pas Haïti, hein, parce que l'homme tente des explications, madame habitant, c'est pas Haïti qui est souci, et maintenant, pour que l'instance concerne l'État, c'est une certaine qui parle de ce pays, parce que de ce pays, ça t'a demandé, madame habitant, pour aller chercher l'État, je vous le dis, parce que c'est de ce pays qui gagne un spécialiste et qui gagne tout équipement nécessaire pour aller récupérer l'État, je n'en ai même qui est le meilleur. Pour lui finir, directeur exécutif Jurimédia, Doudou Abdonel, mandé toute organisation Douamoun, la justice, communauté internationale là, avec toute société là, en général, porter assistance by Tineg, interprète haïtien, qui t'est accompagné des Dominicains, qui t'est kidnappé yo, pour bandit, pas assassiné li, pour gros révélation li fait dans la presse, après libération li ya. Depuis Cap Haïtien, Jean-Claude Geffroy, Pyramide FM. Ou t'as écouté leader Jurimédia, Doudou Abdonel, qui t'a réagi sur la situation Douamoun dans le pays d'Haïti, particulièrement dans le pays, hein, pour dresser une table très sombre de situation, ça. Nous prenons dans la ville Saint-Marc pour nous mettre Astrel Seyus, avocat militant dans le barreau Saint-Marc, là, dénoncer l'autorité, dans sa qui est pour avec fait ou bien livré 4 identifications nationales, 4 et après les démalogues, là.
pour mettre sérieux sur méchanceté, autorité dans le pays d'Haïti à faire population, parce que aucune condition pas réunie pour un monde aller ni faire, ni retirer carte. C'est misère, mon a passé un dans bureau au NIO. Maître Astrel Seyus, te fait déclaration ça, dans le micro collaborateur, nous, 1100 Madeus. Bureau qui n'a c'est LDIA, c'est juste pour nous faire 4 là seulement. Mais livraison 4 yo, yo toujours fait dans mairie là. C'est à mon grand étonnement, matin, moi accompagné maman, madame Esther Aurélien, pour nous venir chercher 4 là. Mais tellement ouais, les monde sont des autres, parce que moi estime que l'État t'a fait ça mieux. Parce que pour nous faire 4 là, sont pas 4 misères, ok? Il y a monde qui sont en dehors, qui pas habiter dans la ville Sema, qui font semaine dans la ville là, sont abdominés. Car au monde, vous comprenez qui fait même en semaine que l'État a de beaucoup plus responsable, ok, il a de faire plusieurs centres de livraison qui permettent à ce que Mounio joue une carte plus facile. Du coup, pas au jour, il a fait livraison même à 4504. Ça veut dire que il est capable de décentraliser le service, ça, faire plusieurs centres de livraison et ça t'a permettre que plus de monde joue une carte. Mais là, alors, vient là, on marée humaine. Et il y a des gens qui viennent pas jamais passer, ok, espace pas confortable. Et moi, je suis seul monde qui est responsable justement pour faire livraison. Tandis que vous avez environ 500 personnes qui sont là. Ok? Et il y a des gens qui sont là, là plusieurs fois, je n'ai pas qu'à 24 là. Et c'est ça en Haïti seulement comme ça. Ok? Pour les gens 4, mais je dis à l'État dit 400 sous pas gagner, ou pas qu'à la banque, ou pas qu'à faire transaction à la banque. Ou pas qu'à activité pour faire ça avec 4 pour faire. Mais si on demande pour les gens justement ces 400 pour gagner, mais il faut permettre à ce que livraison en fait beaucoup plus facile et les gens qui ont fait 4 jours, toujours pas passer misère. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir là. Moi, il y a des gens qui rencontrent matin. L'aide vient pour la quantité de gens qui sont là. Je dis, bon, ça fait 4 là, pas besoin de 4 là. Ok? Je pense que dans ce sens-là, l'État, surtout la mairie de Saint-Marc, comme de rencontrer avec un homme là, il y a comme une situation. Il faut que tu apprennes ça beaucoup plus au sérieux. Tu ne peux pas faire peuple là passer misère. Peuple ici, c'est passer misère dans trois bagailles. Okay. On dit 4 pour le recevoir, c'est comme sa situation. Moi-même, je pense que mon conseiller responsable, pour agir en conséquence parce que pour moun yo yo pas passé misère ça à moi y a passé là. Il y a des gens qui pas capable, des gens qui handicapé, des gens qui pèse, c'est comme maman me fait sucre attention. On vit là c'est chita mba chita. OK? Il pas capable faire petite camper sous pied, il y a des gens qui a fait 3 4 heures de camper son personnage est dans troisième âge pour 4 pour la passer toute misère. Au t'a coûté maître Astrel Seyus qui t'a réagi sur question 4 démalogue dans quelles conditions que moun yo a fait yo alors que l'État pas réuni en quelle condition correcte pour moun yo capable faire 4 identification nationale uniquement comme sa droit. Abdesan Nagonaïve, vous dit, chef mouvement, nous c'est révolutionnaire, dans le quartier Raboto, qui dans mis en ville Gonaïve, Winter Etienne, dénoncé, hier jeudi 4 mars 2021, une réunion qui était faite dans ville Gonaïve pour craser mouvement opposition Raboto, hein, cap goumen contre dictature, président Jovenel Moïse, voulait mettre campé en dans le pays d'Haïti. Winter Etienne fait connaître, y'a pas reçu la coble, hein, pendant les mandés, à parents timonio pour continuer voyer l'école parce que pas de aucun problème dans ville là dans question sécurité dans affaire l'école timonio. Winter Etienne dans micro Alan Etienne parce que nous en bataille pour bataille parce que Jovenel n'a pas non nous en situation côté économie a dégaba donc économie qui commencé l'année ça pour pouvoir dollar égal à 40 goud je dis à dollar même arrivé 120 goud. Et dans Géondier, et même tactique utilisé pour descendre, pas même bon. Duri tap vend 3 dollars. Je dis à nous qu'on qui prie Duri tap vend. Pas de rien qui amélioré, et pas de pièces travail qui créé en deux pays. Donc c'est un gouvernement qu'on s'en nous gagne. Et ça fait, je dis à n'a pas ajouté pour nous dire la presse, écrit et télévisé. Que groupe nous a donné là. N'a pas souhaité aucun BFM, pas moli. Parce que bataille, peuple, qui y a accompagnement, là, la presse avait la compétition. Pendant on a tout profité et informé toute population qui est dans Gonaïve et qui est à travers le pays. Il y a une réunion qui est faite. Planification qui est faite. Qui j'en a fait pour retirer ces armes qui sont mes soldats dans le bar. Il n'est pas facile pour rentrer. Et ça fait que ça a été mis ensemble. Je suis capable d'offrir 100 000 dollars américains. Et mon qui est là, il offre 100 000 dollars américains. Et il dit que puis offrir de retirer dans la zone, la police a rentré. Et la banque a posé l'opportunité de venir à l'agent de sécurité délégué départemental. C'est ça que nous avons refusé. Nous ne pouvons pas faire rien nous-mêmes.
Et pourtant, les gens pas accepté pour comme ça. On a cherché liberté, on a cherché vivre mieux. Et ils ont marié avec formation que nous faisons pour eux, ils ont marié avec la bataille que nous faisons là, qui fait monsieur d'accord pour entrer dans la bataille là, pour retirer le peuple dans la salle là, pour mal citer d'un goût, la vie chère, pour nous sortir là-dedans. Et ça fait que monsieur va prendre comme là, il est terminé dans nous. Parce que monsieur va vivre tout le monde. Et c'est vous qui avez dit que, élève l'école, yo, parents élèves, yo, continuez vous étudier l'école. C'est l'école là, n'est-ce pas, vous fait. Et ça que fait, n'est-ce pas, vous l'école, vous avez un bouillage. D'après ça que tu dis dans la réunion, n'est-ce pas, dit, depuis nous fait l'école là, l'ouvre là, il n'y a pas qu'à faire comme. C'est l'école bouillage, les gars fait comme. C'est l'école bouillage, dit que tu pas tout à la fait comme. C'est l'école bouillage, tout n'est-ce pas, PHK, tout n'est-ce bouclier, fait comme. Depuis que fret, l'État pas pour comme, président pas pour comme, bayou, ancien président pas pour comme, bayou. C'est ça que fait dans la bouillage dans la ville là. Et nous disons, Goraïve, pas avant, Miraboto pas avant. Nous tiens à ce que les marchés qui fonctionnent. Nous tiens à ce que les bureaux qui fonctionnent. Nous tiens à ce que les magasins qui fonctionnent. Et nous tiens à ce que toute l'école l'ouvre, tout le monde à l'école pour y apprendre. Parce que question Jovenel là, il n'est pas dans le même corps, il est dans international. Et nous-mêmes, nous continuons à manifester. Et ça fait des dimanches, nous avons fait coalition avec tout le monde des manifestations. Nous avons allé à dimanche si Dieu veut. Foule! Nous avons dit Jovenel, nous avons naïf, pas pour lui. Nous avons naïf, pas pour lui. Et nous disons, nous ne pouvons pas nous blancs à la veille. Nous demandons pour entrer pénitentiaire avec lui. Parce que comme nous connaissons des bouquets casés, entrer pénitentiaire avec Jovenel pour le temps de jugement. C'est devise par nous ça. C'est là que nous voulons arriver. Pour quand c'était l'argent que ça va dans le pays, pour quand c'était ça que nous voulons dans le pays, nous disons qu'il est temps. Pour que l'ex aïe, le baille à blanche et aller dans la prison. À dossier santé, nous avons démarré deuxième tranche là, nous avons directeur départemental de la santé dans la Tibonite, docteur Marcel Châtelier, distribué plusieurs matériels sanitaires dans la santé deuxième section communale Bois-Neuf-Lan, dans la commune Terre-Neuve, hier jeudi 4 mars 2021. Sans santé ça, qui est 7 l'année de ville construite, pas qu'au jambes privé opérationnel, à cause matériel, il n'y a pas jambes privé mettre la donne. Directeur département de la santé a distribué, cabane, matelas, à clot, matériel médical encore. Docteur Marcel Châtelier souhaitait, pour sa santé, Bois-Neuf-Lan, servir population, qui a un pile difficulté dans la question de la soignage. Docteur Marcel Châtelier, il est directeur départemental santé à, dans la Tibonite. Depuis quelques jours que le ministre de la Santé publique là, il a un agenda pour nous capable permettre que tout côté nous ouais, nous identifié, qui a cette santé pour que, qui déjà construit, qui n'est pas utilisé, quoi, parce que pas de matériel, ou parce que cette salle pas de ressources humaines, nous t'es identifié dans tout département, là, nous t'es passé là, nous t'es sur la gauche, nous t'es ouais, cette salle, c'est un centre, et par rapport à deuxième section, pour constituer pour Terre-Neuve, et qui a une population, qui a des services qui sont en train d'enclaver, nous t'es dit, n'a pas de priorité, en premier, pour permettre que nous-mêmes nous fonctionnions. Je dis à c'est un objectif, ça, que nous venons non seulement livrer, premier, matériel, lui, qui montrait que nous avons une volonté pour nous ouvrir, et nous avons profité de faire une évaluation tout, pour nous être capables de voir qui ça qui nécessite pour nous capables, soit, et ces peintures, soit ces d'autres étagères pour nous faire pour pharmacie, hein, pour nous capables d'ouvrir, ouverture cela, dans moi, ça. Qui qualité matériel au distribuer? Bon, nous portons matériel, non seulement nous portons lit, pour permettre de mettre dans la salle d'observation, nous mettons des cotationnettes, nous mettons des thermomètres, nous mettons des sérum, nous mettons des gants, nous mettons tout le matériel ainsi que le Clorox et d'autres matériels tout pour capable faire hygiène assainissement que je dis à nous porter dans cette banne. Ça a gagné 7 ans depuis le fait, la besoin de ressources humaines, comment on a fait? Normalement, ressources humaines, selon le ministère là, selon nouvelle administration, nous prioriser les gens qui sont dans la zone, les gens qui sont là dans la zone. Donc nous répondons chita avec les casettes de zone et les magistrats pour nous joindre une infirmière de zone qui permet auxiliaires, ménagers, gardiens, tout à sortir dans la zone parce que c'est là que nous-mêmes nous parlons en sorte que c'est mon autre côté qui vient là-dedans, nous prioriser les gens dans la zone parce que tout le monde est à l'école. Ils sont formés. Je dis à faut que capoter ça ou après dans la caille. Une plus gros problème section communale le fait face ca c'est surtout accouchement femme cette chose qui ça ne va le faire pour mon ça n'a pas docteur ou femme sage. Normalement dans cette santé bois neuf là nous avons travail pour nous si nous capable mettre une salle d'accouchement
qui a fait par une sage-femme et nous avons utilisé tout infirmière sage-femme qui déjà sous terrain. Et pourquoi pas sage-femme nous en tout nous former pour permettre que nous avons fait accouchement dans meilleures conditions. Vous avez écouté Dr. Marcel Châtelier qui est directeur sanitaire de département de la Tibonite là. Dans la même question, il y a Kazek, deuxième section communale Bois-Neuf-Lan, dans la commune Terre-Neuve, qui fait qu'on est, c'est une fierté pour eux, là, ils recevront matériel médical, ça, eux, pour capable l'ouvrir, centre santé Bois-Neuf-Lan. Pierre Donassin dit, les contrats en pile, parce que l'État a travaillé pour faciliter Bois-Neuf, joindre plus bon soin santé. Kazek, là, déclaré, c'était avec grosse difficulté pour transporter les malades pour aller dans centre santé Terre-Neuve-Lan. Pierre Donassin fait qu'on est, il a fait un pile démarche qui permettent, centre capable d'arriver opérationnel, après cette année. Pierre Donassin. Jodia, son fierté liée pour nous dans la deuxième section. Son contentement lié pour nous, pour tout le monde qui vit dans la deuxième section. Jodia, avec présence, docteur Marcel. Et nous remercions, ministre. Là. En première position, nous venons remercier, docteur Marcel, qui, ouais, et initiative ça, pour deuxième section, avec problème. Côté, nous avons un problème santé, c'est dans la boucle là, pour nous courir aller. Mais journée aujourd'hui a et nous gain premier soin cap premier soin après planter la caille nous même l'elle pas encore planté mais docteur Marcel fait compte et folie il porter en pile de matériel vini qu'on y a m'dadou citagon infirmière là qui t'a là citagon problème t'a commencé joindre nous soin et nous senti nous content et nous senti nous réjouis tout dans zone là que nous voit que l'état travail pour nous mêmes. Et c'est tout ça nous sommes capables. On parle de nous avons un problème, c'est dans le bouc qui était neuf dans l'année, mais avant, comment nous fonctionner? Avant, mais comment nous fonctionner? C'était sous tête, les femmes au ventre, c'est sous tête, nous devons prendre, mettre le sous cabane pour porter l'aller dans le bouc là. Et puis, si même depuis que nous avons pas qu'à l'école, les malades, c'est sous tête, nous prendre en pile tracas pour porter l'aller dans le bouc là. Même moi, à cette époque, dès qu'on vient madame moi tout qui était gien pour d'accoucher c'est sous tête yo prendre yo mettre le sous cabane et pour la accoucher dans bouc mais qu'on y a petite salle qui est en grand qu'on arrive devant l'hôpital dans bouc là madame n'en fait petite mais avec centre ça qui va le développer dans zone là m'ta dou comme ça li mieux pour nous femme accouchement femme yo les gros ventre si yo gien douleur y a prêter la caillou même. Pour le matériel que nous avons là, est-ce que nous avons fait des marches bon côté et direction départementale de santé? Oui, Kazek, magistrat, nous avons mis ensemble, nous avons fait un pile de marches avant nous avons fait par le centre, ça, son centre, qui là, depuis 7 ans, lui construit, il va encore jamais travailler. Mais pour journée là, et docteur Marcel font apparition avec un pile matériel qu'il vient mettre dans le centre là, et très prochainement, il y aura des problèmes petits, moi-même, étant de Kazek, les dîmes, pour mal côté, pour aller chercher petit, et puis moyen pour yo payer monde pour porte, des potes, en fait, plus l'autre pote encore, qui gâte, les dîmes pour me venir ensemble avec boss, pour me faire boss yo contrôler yo, et puis garder yo, et puis porte de vie au Bali, pour tout bagay marché, très prochainement pour sortir dans le service. Vous avez écouté Kazek Bois-Neuf-Lan, Pierre Donassin. Dans le même dossier, hein, plusieurs monde qui a vu dans la localité deuxième section communale Bois-Neuf, bat-bat pour la contentement, pour matériel saio, direction départementale santé, hein, qui dégaine interdit docteur Marcel Châtelier, placé dans centre santé deuxième section communale Bois-Neuf, commune Terre-Neuve, journée jeudi 4 mars 2021. Quelques monde saio pas connaît, c'est plus gros bagaille aux jeunes dans le l'État. Pour eux-mêmes, centre santé ça, c'est une fortune qui vivait dans la commune Terre-Neuve. En écouter quelques mounes dans la commune Terre-Neuve, particulièrement la deuxième section Bois-Neuf, qui t'a parlé sous question sans santé. Nous vraiment apprécions, nous aimons ça parce que c'est important pour nous, pour toute commune en net, c'est vraiment important. Vous êtes malade, comment vous avez fait? Bon, nous avons fait un peu de sacrifice, ça peut monter dans la boucle, mais pour le moment, on a celui tout pour nous là, c'est pour nous venir dans la boucle, avec nous avons un peu d'aide, donc nous monter. Nous sommes très contents parce que nous apprécions le centre de l'ambulance. Le nouveau problème, c'est que l'ambulance a monté, nous avons des difficultés parfois l'ambulance n'a pas de gaz. Alors, pour nous, nous avons des problèmes, mais nous sommes très contents parce que le centre de l'ambulance, pour tout le monde dans la zone, il y a
plus content et pas monter dans le bouquin encore. Bien content. Est-ce que vous avez des gens qui malades souvent ici? Il y a un pile. Il y a des gens qui ont le vol, qui ont le guillette, qui ont le bas de l'eau, tout le monde. Il y a un coup, tout le monde qui ont le malade. Il y a un pile pour les ambulances, mais moi je sais que je vais conduire la veille. Nous avons des difficultés, les gens qui ont le pas un gaz. Faut que pour t'amener gaz dans la machine pour t'amener gaz pour venir pour malade vie pour t'amener tout le fond plus vite en revenir mon nom de pas fatou mon nom grossesse mon qui pite la grande vie libérée et puis les fins de l'hôpital là enfin monsieur la barre il parle de temps mais c'est pas dans nos bois ici le bois des frères la fille bonne de nous satisfait de travail là en pile bien content nous vraiment satisfait nous content parce que vraiment c'est ce marché était vraiment difficile, donc chaque fois qu'on a un problème, c'est dans la boucle là. Alors qu'on a des centres là, moi c'est mon domaine plus soin. Et d'autant ensuite, nous féliciter les gens qui étaient consul là, député Léwa, parce que nous sommes son meilleur bagaille. Alors, directeur département Marcel, nous vraiment féliciter parce que depuis que les gens qui prennent des santé avec des gens qui sont chers. Donc nous vraiment satisfaits de ça. Et donc nous pour localité a donc son fortune et pour bien dire cette qui va l'ouvrir là son fortune parce que en imaginant on prend par exemple un monde tension de montée la marche des kilomètres pour la contrôler tension hein. Alors si tension était 18 distance pour lui il veut côté la rivière avec du temps tension augmenter mais par rapport à cette cap ouvrir là moi c'est son bagage des meilleurs. Nous sommes dans la question santé, nous parler politique pour nous collectifs anciens députés, dans l'opposition, avec alliés, Kadoa, mandé une fois encore, pour que le supérieur des comptes annule l'arrêté présidentiel, que vous estimez qui est illégal dans les affaires numéro identification nationale unique, là, également avec le conseil électoral provisoire contesté, hein, non, l'être que vous voyez, pour le supérieur des comptes, yo. Député Franck Clôture, attire attention pour le supérieur des comptes, le fait que gagne urgence pour capable chita sous dossier ça cap gagne en pile conséquence sous élection cap gagne pour faire en d'un pays n'importe l'air. Franck Clôture. En date du 14 septembre 2020, ancien président Jovenel Moïse était pris en arrêté par lequel il nommé 9 compatriotes dans un CEP qui établit dans de la loi Kadoa, particulièrement le parti politique EDEM dont le collègue DU est le coordonnateur. Nous avons exercé un recours contre cet arrêté et ça c'était en date du 24 septembre 2020. Bon, il nous semble que depuis, rien n'a été fait en termes de suivi et c'est ainsi que cette semaine, nous avons jugé nécessaire de faire parvenir à la Cour en leur correspondance. Alors, correspondance ça, nous sommes capables de dire que essayons SOS. C'est pour rafraîchir la mémoire à la Cour, d'une part, et nous inscrire tout dans le cadre d'une mobilisation institutionnelle contre des sélections annoncées en Haïti et supportées par la communauté internationale qui définitivement a choisi son camp, celui de Jovenel, et au détriment du peuple haïtien. Donc c'est une mobilisation institutionnelle que nous croyons qui est important contre ce projet parce que de toute évidence, si nous avons mal fait des élections qui s'annoncent déjà frauduleuses et ça a mené nous droit dans une crise beaucoup plus profonde, dans une crise beaucoup plus aiguë et n'a besoin de prendre encore du temps pour nous résoudre. La Cour des comptes nous estime qu'elle est chargée, mais nous allons bénéficier ça et nous modèle pour que y ait une diligence qui fait parce que là nous estimons qu'il y a péril à la demeure, il y a péril. Si nous allons vers des élections frauduleuses, après une crise post-électorale qui a des valeurs de désastre économique et social, donc nous pas besoin de vivre là. Et c'est pour ça que nous croyons que jeudi, il faut que nous sonnions sonnette d'alarme, non? Il faut que nous bataillons tout pour que nous allions d'autres institutions, d'autres citoyens à cette cause. Ou t'as coûté ancien député Kadoa, collectif ancien député dans opposition à allié. N'a pas tombé dans ville Saint-Marc pour nous. 800 000 gouttes, c'est quantité l'agent qui est débloqué pour travailler réparation route Carrefour dans Saint-Anne, dans Saint-Marc. Directeur district ministère des Travaux publics, transport, communication, dans zone Saint-Marc, ingénieur Kenzie Desources, fait qu'on est à travailler pour mettre fin à projet avant le moment de la pluie, t'a commencé à tomber dans zone. Kenzie Desources, c'est directeur district MTPTC dans zone Saint-Marc. Ça va regarder là. Ou après que nous avons une activité qui a marché là ensemble. Nous avons une première partie à qui environ 40 de mètres que nous avons coulé béton de propreté là-dedans. Nous finissons à travaux de maçonnerie.
nous sommes censés là, n'a fait le pissage pour les poteaux. Nous avons mis en place un remblai, n'a fait des maçonneries. Et puis nous avons l'autre partie là, nous sommes censés appouler le béton de propriété pour que dans un jour, là, je pense que c'est ce week-end, pour nous avons ferraillé et couler le béton radié et parti ça. Donc, son travail que nous prenons à cœur, parce qu'on a fait tout ça qui est nécessaire pour nous, avec moyen qui est disponible pour nous avancer avec. Et à la minute que moyen ça finit épuisé pour nous faire des marches auprès de ministère là pour nous qui ont renfloué contre la direction départementale là pour nous continuer à avancer. Bon, normalement, c'est le ministère des Travaux publics, Transport et Communication qui est censé financer ce travail-là. Parce que normalement, le type de travail, ça a aussi attribution au ministère directeur. Le projet a soit été monté à plus de 70 millions de gouttes. Mais actuellement, là, les tranches que vous débloquez pour nous démarrer le travail, là, c'est environ 10 millions de gouttes. Normalement, on a gardé pour nous. Qui ça nous a fait avec 10 millions de gouttes-là pour aussitôt que nous finissons et pour nous adresser dans le ministère-là, juste pour capable de. Ben nous, on l'autre tranche, bon, peut-être qu'on connaît combien le ministère a disposé pour nous dans la deuxième tranche-là, mais je pense que c'est comme ça que ça fait. Normalement, pour qu'on abri quoi, il y a une direction de transport que le ministère a été chargé pour te faire étude et pour prier, qui a été prié, qui a été prévoir pour te faire, pour te battre. Mais là, on vient regarder que ça a tellement coûté. Je crois qu'on a la bonne disposition à prendre pour ta affaire. C'est la base ça que je pense que la direction de transport est actuellement là. Et je crois que, bon, pas qu'à dire exactement mais qui l'a, mais c'est pas un dossier qui mourit, c'est un dossier qui mourit. Il y a travaillé sur le passé. Normalement, moi, ma salle a supposé qu'il y a une intervention qui fait après que peut-être que les travaux montage. Tablier à qui t'es commencé, qui bien que tu beaucoup fini, mais qui en grande partie t'es bien en fait. On croit que dans moi, Massa, travail ça t'a supposé. Pour t'apporter, directeur district, ministère de la République, Transport, Communication dans la ville de Saint-Marc, ingénieur Kenzi Desources, nous parlons de la célébration 8 mars, pour nous oublier sa constitution forme, acte droit femme, yo, annoncé, mercredi passé à diverses activités, commémoration journée internationale femme, yo, cap tombé, 8 mars, cap villa. Ministre de la Constitution Femme et Femme non, Marie-Gislaine, mon premier, annonce forum deux jours, qu'après le fait, sous question violence qui est basée sur sexe, sous droit moun, sous droit femme actifie dans l'école, à travers 10 départements géographiques pays, hein, et ça a privé jusqu'à 28 mai 2021. Marie-Gislaine, mon premier, c'est ministre de la Constitution Femme et Femme. Depuis dans l'année 2014, l'État haïtien mettait sous pied et puis adoptait un document qui relait politique d'égalité femmes-hommes pour arriver jusqu'en 2034. Document ça a là dans 6 gros orientations. Chaque orientation yo définit objectif et puis tout déterminer mesi pour nous adopter yon manière pour femmes yo jouir tout droit yo dans société a libre. Ces 6 orientations sont les suivantes. Pour une égalité des droits des femmes et une justice équitable entre les femmes et les hommes. 2. Pour une éducation non sexiste et des modèles égalitaires. Pour un accès à la santé sexuelle et reproductive dans le respect de la dignité des femmes. Pour l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Pour une égalité économique et un accès équitable à l'emploi entre les femmes et les hommes. Et en dernier lieu, pour une participation égalitaire des femmes et des hommes aux instances décisionnelles. Pour commémorer la Journée internationale des femmes cette année, le ministère compte organiser plusieurs activités qui s'étendent du 8 mars en général au 3 avril, mais on va continuer jusqu'en 28 mai. Date célébrant la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes, le 3 avril. Pour débuter les activités, un forum de deux jours sera tenu à l'hôtel Montana les 8 et 9 mars, où prendront part notamment les plus hautes autorités
de l'État, des représentants et représentantes des organisations de la société civile, des représentants et représentantes des partenaires techniques et financiers locaux et internationaux, le système des Nations Unies et j'en passe. Des femmes leaders dans divers domaines seront honorées. Deux forats régionaux seront tenus, un dans le Grand Nord et l'autre dans le Grand Sud, autour des thèmes suivants. Femmes, paix et sécurité. Femmes et participation politique. COVID-19 et les violences faites aux femmes et aux filles. Entre autres, des causeries seront poursuivies dans les écoles sur les violences de genre et les droits des femmes et des filles à travers les 10 départements géographiques du pays. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.